d'être reçu en audience par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Au sortir donc de cette audience, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. Retenons simplement que la réunion à laquelle nous venons d'assister est une réunion de routine, une réunion de concertation entre l'ONUCI et les pays africains accrédités en Côte d'Ivoire. C'est une réunion qui nous permet de faire régulièrement le point de la situation. La représentante spéciale nous donne les informations qu'elle a, nous échangeons là-dessus pour nous permettre d'être tous au même niveau d'information. Merci. Alors, Excellence, on approche allègrement vers les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et au regard du climat, quel est le commentaire que vous pouvez faire? Je crois qu'au sorti de cette réunion, on peut dire qu'il n'y a pas de préoccupation particulière, de préoccupation susceptible d'avoir un regard négatif sur les élections. Vous savez, ce n'est pas une situation figée, les choses évoluent. Mais pour l'instant, les informations en notre possession ne nous permettent pas d'être particulièrement préoccupés par l'élection que nous préparons. Merci. Merci à vous, Excellence. Ok, merci beaucoup.